Petit Pancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve du coup pour l'ouverture de ma deuxième commande sur le site Boyzove. Donc je fais un petit récap. La première fois en fait j'ai fait une ouverture de commande Boyzove tout simplement parce que je n'en avais pas trouvé sur YouTube. Et qu'en tant qu'abonné, moi ça m'intéressait de savoir justement comment étaient envoyés les mangas. Ben là par exemple via la maison d'édition. C'est toujours intéressant et rassurant de savoir comment c'est fait. Donc j'avais fait une première vidéo, mais je me suis dit que faire une deuxième vidéo après la deuxième commande, ça pouvait être sympa parce que ça pouvait vous confirmer ou non mon avis sur le site, sur la protection, sur l'envoi, sur la rapidité, etc. Donc en ce qui concerne tout ce qui est commande et envoi, c'est toujours aussi rapide, toujours aussi parfait. Donc maintenant on va voir du coup la protection des mangas et tout le reste, en fait tous les petits détails. Mais voilà, donc du coup je voulais faire ça avec vous. C'est une petite vidéo en bonus bien entendu, mais je trouvais ça plus sympa quand même de vous montrer justement, vu que je faisais une deuxième commande, de vous montrer le rendu. Donc hop, je vais voir avec vous, ça sera plus simple. J'aimerais bien d'abord enlever ça. J'enlève un truc. Voilà. En fait, j'ai enlevé cette partie-là qui était scotchée. Voilà. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, qu'est-ce que je vois? C'est protégé. Là, il y a la facture. Donc, on va la prendre. Hop. Et donc nos mangas une fois de plus sont bien protégés. Voilà, donc ça déjà c'est très positif. Je sens qu'il y a une bonne couche. D'ailleurs il y a deux couches. Donc voilà, hein, quand je disais il y a deux couches, il y a bien deux couches. Là du coup vu que c'est dessus, c'est super bien emballé. Donc ça c'est top. Hop, voilà. Donc du coup, on a nos 4 yaoi que j'ai commandé. Il y en a un qui n'est pas mis dans le bon sens. Ça va me stresser. Et surtout pour vous, pour vous montrer. Voilà. Donc, ils sont en parfait état. Je vais regarder vite fait le carton. La dernière fois, il y avait eu un petit creux de fait pendant le voyage. Là, il n'y en a pas eu. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Donc du coup, je vais te montrer vite fait les yaoi en soi, la qualité du dessin, etc. Tout simplement parce que tu auras dû avoir la vidéo où je te parlais du coup des yaoi en question de Boyzove et me donner ton avis, ton ordre de préférence. Donc là, ça va te permettre de voir la qualité de dessin, etc. qui peut peut-être confirmer ou non toi ton envie de les acheter. Donc pour la facture, c'est fait toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'en haut, on a la date de quand ça a été fait, donc le 24, moi on est le 27. Voilà, ça a été fait en fin de journée, je crois, en plus, moi je l'avais fait. Ou peut-être un matin. Ah, j'avais pas fait gaffe la dernière fois, mais il y a... Et donc du coup, à chaque fois, on a comme la dernière fois, leur code de... Comment on dit? Le code barre, en fait. Une photo du manga, ça je trouve ça top, le titre... Donc il y a marqué même Yaoi Anna Collection, donc tu peux voir que c'est vraiment Anna Collection si tu as oublié entre temps ou quoi que ce soit. La quantité et le montant, et après tu as l'addition et la paye totale. Donc j'ai payé 31,80€, en même temps j'ai pris 4 Yaoi à 7,54€. Et le frais de port est offert à partir de 25€ si je dis pas de bêtises, donc voilà. Donc je vais te les présenter dans l'ordre qu'ils sont mis comme ça, hein. On va faire plus simple. Donc d'abord il y a si tu m'emmenais sur une île déserte. Voilà, le titre m'intéressait, m'interpellait. Donc du coup je suis floue, c'est volontaire, comme ça tu verras mieux la qualité de dessin. Et puis après tout ma tête tu la vois assez souvent comme ça hein, sur la chaîne. C'est pas comme si je postais une fois par semaine ou toutes les deux semaines. Bon, on voit souvent ma tronche donc. Voilà. Quand même plus agréable, non? Je suis pas si... Ouais, je crois que c'est bon là. Enfin, m'excuser si la qualité d'un flou et tout ça pour la qualité de dessin n'est pas parfaite. Parce que je sais plus à quelle distance en fait j'ai fait. Donc du coup, on est avec celui-ci. Ah, c'est écrit là le titre. Je vais éviter de le prononcer. Oh, je m'attendais à pire pour la qualité de dessin. Non, elle est trop belle. Enfin, par rapport à ce que je m'attendais. Franchement, j'adore. Je m'attendais à vraiment, vraiment pire. En bas, là. Hop, et hop. Je veux être sûre que ça soit parfait, bordel. Voilà. On continue du coup avec le troisième manga. Ouais, là, logiquement. Voilà. Donc lui, vu la qualité de la jaquette... C'est pareil, je m'attendais encore à légèrement pire au niveau de la qualité de dessin, mais ça reste... Ça me fait penser au niveau de la qualité de dessin à, je crois, The Song of Yuru and Asa, qui
devait être assez proche au niveau de la qualité de dessin. Il y a un autre yaoi aussi qui avait ce genre de qualité là. Oui, donc voilà pour ça. Et on termine avec celui-ci. Hop, voilà. Donc du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésite pas du coup à mettre un petit commentaire histoire de me dire justement ton ordre de préférence pour la présentation de ces yaoi. Pense aussi à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oublie pas de me rejoindre du coup un peu partout pour louper aucune information. Sur ce, à bientôt.